Oui, donc désolé, la vidéo en fait s'est coupée et je ne savais pas, je ne pouvais pas voir, donc du coup j'ai continué à jouer. Mais du coup je les ai remises parce que quand j'ai regardé mon téléphone, j'ai dit mince, c'est chelou quoi, enfin c'est chelou. Et pourquoi voilà, et c'est en fait j'entendais ma voix après, loin 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 après. Du coup j'ai dit ah c'est un bug et tout. Faut que je... Voilà. Donc du coup, on va commencer. Donc voilà. Bon. Vous dormez bien, mais c'est bien ça. Là, vous voyez, je suis pas sur eux. J'étais comme ça. Je vais être sur eux. Et je fais ça, vous voyez, je suis pas sur eux. Bon. Pendant ce temps, je vais utiliser mes habits que j'ai sortis. Voilà. Ça, c'est leur pyjama. Je vais les laisser sur mon lit. Ça, c'est leur py c'est son pyjama. Je vais les laisser sur mon lit. Je laisse sur mon lit. Je laisse tout sur mon lit. Moi, je vais travailler. Ça, leur kétine, s'ils ont besoin, je vais appeler parce qu'ils vont pas rester comme ça, rien faire, franchement. J'ai mes gants. Ça, c'est l'infirmière de joie pour les écouter. L'infirmière. Là. La nounou. J'ai une nounou. Je ne peux pas la. Je peux pas se garder quand même. Tout seul quand même. Il me faut mon masque, mais mon masque, je ne l'ai pas. Je travaillerai sans masque. Je vais le prévenir. Si j'ai battu, enfin, je vais le prévenir. Que quand je suis. Ça va être chaud. Une bouteille d'eau au cas où. Mes gants. Tout ça. C'est un livron. Livron. Vraiment que je fasse un tri dans leur sac. Je peux pas vider, j'ai pas d'armoire. Ah, voilà où mes boîtes, ma boîte, mes gants. Où est le livre, les enfants? Oh, tant pis. Ah, il est là. Je suis sur ici. Maintenant, je mets les gants.
et je vais au boulot. Je préfère expliquer. J'ai pas mon téléphone pour jouer. Donc, du coup, bah, je peux pas appeler d'infirmière, rien. Mais on va dire que. Enfin, nounou, rien. On va dire que la nounou est arrivée et tout. Et on va dire que j'avais une voiture, j'avais appelé mon mari, etc. Non, on va dire que j'étais déjà arrivée. Hop. Je suis en train de me préparer. Oh non. Madame, vous allez me dire vous avez quoi? J'ai tout ce qu'il faut pour j'ai même vous dire. Montrez-moi votre pouf. Votre pouf. Votre cœur. Respirez comme ça. Y'a pas de souci. Vous êtes bien en tout cas. Est-ce que vous avez mal aux genoux? Vous me dites quand je fais ça si vous avez mal. Vous avez mal? Non. Vous avez mal? Non. Vous avez mal? Non. Vous avez mal? Non. Ok. Donc comment vous aurez? C'est rouge, mais vous avez noté. On va voir, attention. En fait, ça, je change. Ça, peut-être A. Tenez-moi votre bras. Il faut qu'on. Je vais faire soit une fissure là, soit une fissure là. Je vais m'en mettre, d'accord. Je fais une piqûre là ou là, à la main. Et on va mettre une piqûre, mais on va lui laisser des trucs au main. On va la mettre sous un signe respiratoire. Elle a fait une crise très très grave. Ah bon? Oui, c'est très très bien, maman. Waouh. Ça c'est pour les médicaments. Enfin, d'accord. On va devoir vous faire quelque chose à l'oreille. L'oreille enflammée, c'est pas une équipe. Et on va devoir vous examiner le ventre, le bras, parce que le bras ici. Vous êtes. Comment dire? Vous êtes ouvert avec un bout de verre, donc il faut qu'on les examine. Passez-moi votre bras. Voilà. J'ai pas tous les ingrédients, j'ai pas tous les affaires. On va dire ça, c'est pour attraper les bouts de verre. Attention à vous. Donnez-moi un truc. Tiens, le truc, tout est bon. C'est pas grave, je vais nous voir. Et nous avons un bout de verre. Un bout de verre. Vraiment la paix. Et le dernier bout de verre. Déjà, vous avez, on vous a enlevé les 4 ou 5 bouts de verre. On va vous recoudre. Là, c'est mon truc pour la recoudre. On va dire que c'était ça. Hein. Mais je ne veux pas, j'ai pas de truc pour recoudre en vrai. C'est bon, madame. En tout cas, on vous a recousu le truc. Mais pour
pour ses oreilles. On va faire comment? Ça, c'est moi qui m'en charge. Rentre chez toi. Toi, tes enfants, regarde. Oh, ils ont une même. Merci, c'est gentil. Enlevez-moi les paupières avant que je m'ouvre. Merci. Je l'enlève. Avec du gel hydroalcoolique. Juste un cœur. Je vais juste regarder son cœur. Son cœur bat plus. Son cœur bat plus, je ne plaisante pas. Écoutez, pardon, mais... Tiens. Elle a raison. Moi, je me suis fait ma piqûre. Je vais désinfecter. Et je vais coller ça. Un petit mouchoir. Ça seulement devrait suffire. Un pansement. Allez, repose-toi. J'ai pas besoin de me reposer. C'est ce qu'il faut que je fasse. Cette chambre. Ne regarde pas ma puce. Il t'est arrivé quoi, maman? Quelque chose. De grave? Non. T'inquiète pas. Il m'est pas arrivé quelque chose de grave, mais. Une petite piqûre. Les médecins m'ont fait une petite piqûre. C'est normal, attends. Allez. Voici le. C'est bon? J'ai plus envie de prendre mon point. Mets-toi là, j'arrive. Il faut vraiment que je prenne ça. Oh là là. Ça à cause de cette blessure. Ça à cause de cette blessure, je veux dire. J'ai fait une touche. Ouais, j'ai été obligée. Oh non. Ne regarde pas, ça t'intéresse pas. C'est l'hôpital qui me l'a fait. T'as pas besoin de regarder ce que je fais, non? C'est comme si je regardais ce que tu t'étais fait au bras. Ou... Quand tu te blesses à la jambe, je te demande pas. S'il te plaît.
D'accord, mais tu fais attention à toi la prochaine fois. Tu leur demandes de pas te piquer. Tous les jours, on doit me piquer. Je peux pas refuser. C'est obligatoire. Obligatoire. Oui, c'est obligatoire. Je suis infirmière. T'es pas infirmière. Je suis désolée. Tu peux pas savoir. T'es pas infirmière. Et puis, heureusement, tu peux savoir. Arrête, ça se voit que c'est pas vrai. Mens pas. Je te promets, je mens pas. Menteuse. Je te promets, je te jure même. Si tu me crois pas, bah tant pis. Me crois pas. De toute façon, je saurai un jour la vérité. Et tu le sais très bien par qui. C'est un menteur. Tu le crois tout le temps alors qu'il ment tout le temps. T'es infirmière. Ok, tu devrais savoir plus de trucs que moi. Lâche-moi. Pars, va prendre l'air. Va prendre l'air. Maman. Tu m'as manqué, ma puce. Toi aussi, maman. T'as faim? Pas trop. Ok. C'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, c'est pas une vraie piqûre, hein. C'est, vous savez, des jeux en plastique, donc c'est, voilà, c'est pour, voilà. Le lendemain. Imaginez que le bandage est parti, ou sinon, je vais faire ça. Ouais, c'est mieux comme ça. Ça passe ici, en fait, jusqu'à là. Vivement que ce soit fini le piqûre. Allez, viens, je vais faire le piqûre. Je vais arrêter de faire le bandage parce que en fait c'est stressant. Parce que en fait j'ai des trucs et du coup je peux pas beaucoup bouger. Enfin voilà. Du coup j'enlève le bandage. Je vais juste faire un truc, c'est ça. Et ça. Ça au moins je peux bouger et ça s'enlève pas. Pour l'instant. Ah non, plus. Je te mets. Même s'il fait chaud, tu dois mettre ce truc-là. Tu t'es fait quoi la main? Oh rien. On m'a fait une piqûre. D'accord? C'est rien, ne t'inquiète pas. J'aime pas les piqûres. Moi non plus, tu sais. Et je suis obligée d'en faire. Oui. J'ai vu, oui. Regarde, en plus, ça fait pas mal. Sinon, je peux leur dire encore. Allez, passe ton pied dedans. Oh. Je crois pas qu'il va tenir encore. Celui-là. Attends, je mets un bout de scotch pour pas que ça s'en aille. D'accord.
Allez, tu passes tes pieds. Tu fais ça. Allez, passe tes mains. Allez, allez, allez. Faut vraiment que je te fasse des chaussons. T'as pas le temps de les faire avec ton travail. C'est pas grave, je marcherai pieds nus et puis c'est tout. Non, tu ne marches pas pieds nus ici. C'est très bien que on est dans la chambre là. Mais... Tu ne marches pas pieds nus dans la maison, non, non. Après, tu vas salir toute la maison. Attention. Attention à ta tête. Voilà, t'es en pyjama. Viens là. Ferme les yeux, ne regarde certainement pas. Oh, tu t'es bien ouverte quand même. Avec toi. Papa. Papa, je m'en doutais. Aïe, aïe. Chut, ça va passer. Ne t'inquiète pas. On met un petit bout. C'est ce que la médecine m'a dit de faire pour toi. Pour pas vous contaminer contre des virus maltraitants. C'est quoi ces virus? Plein de petits virus. Qui peut nous tuer? Si tu l'attrapes, tu peux mourir. Si je l'attrape, je peux mourir. Oh non, j'ai pas envie que vous l'attrapez, toi et papa. Donc, tes piqûres là, tu fais, t'es obligé de les faire. Tu ne dois pas les faire. Mais c'est cruellement. Allez. Reste là. Je vais mettre en pyjama tasse. Viens, allez. Je vais devoir faire une piqûre aussi, comme toi, elle s'arrête. Oui. C'est pas grave, j'aime bien les piqûres. Celle-là, tu vas pas l'aimer, je te promets. Celle-là, elle pique, elle fait mal. Oh non! Mais tu es obligée, ma puce. Sinon... Tu ne serais pas guéri contre tout le monde que tu peux attraper et tu mourras. Allez, passe tes pieds dedans. Allez. Pas dans les manches. Ne les passe pas dans les manches. Non, pas comme hier. Arrête. Allez, hop. Attention, passe tes fesses. Allez. Tu veux mettre des chaussettes par-dessus? Non, c'est bon. Toi, ma puce. Non, non. Okay. Si vous voulez pas, je vais pas vous forcer. Je suis pas si méchante. Par contre, les piqûres. Je suis. Donc, je sais pas si vous avez compris, mais la mère, elle ment. C'est pas pour les virus. Oui, bah, attends. C'est pas pour les virus. En fait, la piqûre, c'est juste pour que... je vais inventer un truc. Pour pas que, par exemple, ils peuvent avoir plusieurs maladies, quoi. Par exemple, je sais pas. J'ai dit une bêtise, hein, je sais pas. Montre ta main. Maman! T'es oublié. 1, 2, 3. Aïe! Comme ta soeur, t'as pleuré. Allez, c'est rien, les filles. Laissez tomber. C'est pour pas que vous attrapez une maladie. Hein? Je sais pas si je l'ai fait du bon sens, mais de toute façon. En n'importe quel sens, ça fonctionne. C'est-à-dire que même dans le sens des fesses, mais non. Dans n'importe quel sens que tu le fais dans une main, n'importe laquelle, ça peut te les guérir.
Il faut pas que tu te trompes demain. Il faut pas que tu l'enlèves parce que si je me trompe demain, je suis dans le caca. D'accord, maman. D'accord, ma puce. Oui, maman. Voilà. Oh non. Je te demande de la tenir, ma puce. Tu vas jamais y arriver si ça s'en va. C'est pas de ma faute. Oui, bah non, mais là, voilà. Faut que ça tienne pour toi, pour ta sœur et pour moi. Votre père, je sais pas où il est parti. Oh non, ma puce, tu vas pas faire comme ta sœur. Si tu l'enlèves, avec la piqûre, les virus peuvent se propager là. Puce, toi, tu t'es pas loupé, tu t'es ouvert. En plus de ça. Tu veux retourner un petit peu dormir, ma puce? Oui, maman. Moi aussi, moi aussi. Puis, bah attendez. Et n'enlevez surtout pas votre petite truc. Ils comprennent rien. Ils sont encore trop petites. Maman, tu te fais une piqûre au cerveau? Non. J'aimerais bien voir. Ah! Quoi? C'est pas la bonne. Oh non, elle fait mal celle-là. Bon, trop mal. Normal, c'est une fausse aiguille. C'est une vraie aiguille. Une fausse, pardon. Les fausses aiguilles font plus mal que les vraies. Donc. En plus, tu mens. Je mens pas, je te promets. Pourquoi j'ai ça sur la main alors? Pourquoi ils ont ça alors? Tu m'énerves. Ça va prendre l'air encore. Encore trop longtemps encore. Encore. Toute la nuit si tu veux. Mais rentre pas. Quoi? Mais rentre pas. Quoi? Oui, je t'ai bien demandé de pas rentrer. Tu les verras bien. Et encore, j'ai envie. T'es sérieuse? Oui, je suis sérieuse. Oh non, même trop sérieuse. Même trop sérieuse. Mais. Mon soeur. Là, on peut les enlever les bandages. Ça fait assez longtemps qu'on les a. On va dire que ça faisait toute une journée. Et au bout d'une journée, il fallait les enlever. Ça, c'est si vous avez froid. Je mets tous vos trucs là. Je vais me fatiguer. Je vais dormir. Quand il fait nuit. Très nuit. À 6h du matin, il fait jour. On se rendra jusqu'à 7h.
À 7 heures. Je suis tellement fatiguée que je ne peux même pas me lever. Du coup, je vais me mettre là. Alors, si vous n'avez pas compris, en fait, comme mon amoureux avait versé une piqûre qu'il fallait pas mettre dans le sang pour les grands, et ben moi je suis tombée et je pouvais mourir. Du coup, ben il y a mes filles qui vont arriver. Et... Maman, ce que je bougeais du coup, ça veut dire que j'étais... Maman? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Tu bougeais plus et tu faisais plus rien. Je suis tellement fatiguée que je crois que je pourrais même pas aller au travail. C'est moi qui t'ai fait ça. Je t'ai mis une piqûre pour les grands qui veulent te faire mourir. Mais t'es sérieux? J'ai mes enfants à garder. Justement, comme tu m'as dit de partir hier, je me suis dit, ah, les piqûres. Et tes filles peuvent mourir à tout moment. Ou peuvent venir vers moi à tout moment. Si je claque des doigts, ils peuvent venir vers moi. Papa, non, venez, papa. Je me débattrai pour que tu me les voles. Je me débattrai pendant des années s'il le faut. Mais... il faut vraiment que t'arrêtes de faire tout ça. Tu fais du mal à tout le monde. Tu vois pas? Non, je vois pas. Parce que je m'en fous de... Je voulais juste avoir une enfant. Des enfants. Et après quitter mes enfants et ma femme. Sauf que je pouvais pas. J'avais pas envie de le faire pour toi. Maintenant, je le fais. Mais je prends les enfants. Hors de question. Là, en fait, il m'avait tapé. Et ben voilà. Et là, du coup, c'était sa main. Il tournait ma tête. Maman, il meurt. Maman. Venez. Avancez. Non, pas comme ça, dans mes bras. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et pour rater aucune de mes vidéos, abonnez-vous. Ciao. Prenez soin de vous. Et faites pas trop de bêtises avec le déconfinement. Ciao, ciao.